Salut à tous, c'est Philon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de La Vraie Strat. Aujourd'hui, nous allons parler du Uber, du début de la 9e génération. C'est toujours assez drôle de regarder à quoi ressemble le Uber du début d'une gen, parce que c'est vraiment des métagames qui sont complètement, en général, pas très compétitif, un peu débile, parce qu'il n'y a pas beaucoup de légendaires disponibles. Donc c'est vraiment, en gros, t'as les deux gros légendaires de la version, hein, genre Xerneas Yveltal, Solgaleo Lunala, Zacian Zamazenta, la Coraidon Miraidon, et puis comment tu les gères avec le reste de ta team, qui ne sont pas des Pokémon full légendaire, full mégastat et tout. Le seul Pokémon qui va rendre, en fait, la génération Uber, là, le début de génération 9 en Uber, un peu original, et ben c'est Floatmesh, parce que Floatmesh est plus puissant en fait que les autres Pokémon, et il est presque au niveau, voire même on peut dire, il est au niveau de Coraidon et Miraidon, parce qu'il a la même vitesse, il tape quasiment aussi fort, et surtout il a Paléosynthèse qui va lui booster sa vitesse en fait, ou son attaque spéciale selon ce que tu joues, et bien sous le soleil, et comme le soleil est très présent vu que Coraidon invoque le soleil, et ben ça en fait un excellent revenge killer de Coraidon et de Miraidon. Donc ça c'est un peu le truc spécial sur la 9e génération, et sans plus tarder je vous propose de voir un peu comment on va voir les matchs. C'est parti, ça valide avec le Coraidon et le Floricla. Alors là on a une team ultra hyper offense en face, hein, c'est à dire qu'il y a Coraidon plus le Angoliath, et du coup le but c'est de poser les hasards, de poser les murs, et vous allez voir que la team en fait du premier joueur Dark Master ne va pas se laisser avoir là dessus donc ça va du coup mettre le roue de fer. Je pense que là le Floricla en mode je fais tout pied éclat au cas où le Coraidon essaye de se setup, parce que vu qu'il a une team très offensive, ben c'est hyper dangereux de laisser un Pokémon se setup justement. Il a une team très rapide, mais si le Coraidon commence à faire des flame charge et tout, et ben ça devient beaucoup très très vite, très très compliqué de gérer vu qu'il a une team full offensive. Donc là, du coup, il a tenté la toupie éclat pour empoisonner, mais le roue de fer va venir parce qu'il est type acier sol, donc il est très très GG contre ce Floricla. Il a tour rapide en plus, et Angoliath va venir sur le terrain et commencer évidemment à mettre des protections, les pièges de roc ont été posés. Et en fait, ce qui est intéressant avec Coraidon, c'est que tu peux lui mettre une capacité qui va gérer les hyper-offenses. Parce qu'en fait, il a accès à casse-brique et c'est stabé. Et ça fait quand même très très mal. Et regardez, là, bam, le casse-brique, ça va enlever les écrans. Et donc, en fait, c'est un peu la protection de pas mal de team Uber. Même si c'est un peu bizarre quand tu compares ça à son attaque signature ou à close combat et tout, eh ben tu te dis quand même c'est pas si mal d'enlever les écrans, hein, des teams hyper hyper offensives. Donc du coup là bah, le Angoliath il a pas servi à grand chose, ça va devoir switcher et mettre le Floatmesh. Donc je vous disais que le Floatmesh était extrêmement fort, regardez là la Paléosynthèse qui va lui booster sa vitesse. Alors là en l'occurrence le soleil va s'arrêter à la fin du tour parce que ça fait 5 tours, mais notez que le Pokémon peut se booster en vitesse grâce au soleil. On va mettre la roue de fer, du coup, le Floatmesh va faire le pouvoir lunaire révéler qu'il est orbe vie, et derrière, comme le roue de fer en général est joué vraiment full défense spéciale pour gérer, parce que c'est un des meilleurs Pokémon du jeu là, pour gérer en fait Miraidon, et ben du coup, le feu ensorcelé ne suffira pas à tuer, et tu veux pas perdre ton Floatmesh quand t'as un Coraidon en face, donc du coup, ça va switcher sur le Motorizard, et derrière, on va mettre le Miraidon, et Motorizard est pas très avantagé contre le Miraidon, faut switcher, et ça va être le Floricla qui n'aura servi à rien, qui va juste se faire envoyer au casse-pipe, mourir de turbovolt, et puis bonjour, voilà ce Pokémon, la Miraidon, extrêmement dangereux, surtout contre des teams de type hyper offense. Hein. Ça va être le Coraidon, du coup, on peut faire heureusement le dernier mot et mettre le Floatmesh en mode bah, même si tu me tues, bah, je te maintiens en fait le light screen, donc c'est, il en a besoin hein, pour mieux passer. Ça va faire Nitro Charge. Et là, bah, il y a un speed tie parce que du coup, Coraidon et Floatmesh ont la même vitesse en fait bah, sous le soleil actuellement. Et c'est le Coraidon qui va gagner le speed tie. Mais il avait préparé un petit terrafé au cas où. Et du coup, ça ne va pas être nécessaire. Donc là, maintenant, le Miraidon va venir. Je rappelle que le Coraidon est à moins 1 en attaque et en attaque spéciale. Donc le Miraidon devrait pouvoir essayer de se setup sur le Pokémon. Il va terrafé également. Il va y avoir une Dance Slam de Coraidon qui va passer à plus 1 en attaque seulement. Et derrière, le Miraidon, lui, il est à plus 2 en vitesse. Donc là, ils ont la même vitesse. Donc ça va être des questions de speed tie.
Nitro Charge pour se booster un peu plus, 47%, et derrière la Parabo Charge de Miraidon qui va être révélée. Il était supposé gagner le duel, là, le Miraidon, hein, avec sa plus grande vitesse et son attaque, mais en fait, il y a Miraidon, Parabo Charge. Alors, c'est intéressant, hein, parce que vous voyez que t'as Casse-Brille d'un côté, Parabo Charge de l'autre, c'est des Pokémon qui tapent tellement fort de toute manière que tu peux te permettre de leur mettre des attaques qui vont taper moins fort, mais qui vont avoir plus d'utilité, ce qui est extrêmement rare dans le jeu Pokémon, mais là, t'es en mode, bah, de toute manière, je tue, en fait, donc je peux mettre des attaques qui font un peu plus mal. Donc là, la Parabo Charge, va y avoir la Bessitrus qui va proc, mais derrière ça ne suffira pas, il sera quand même à portée de kill, et derrière la Terra Explosion ne suffira pas à tuer. Parabo Charge, miam miam, je me booste, et du coup le Miraidon est plutôt bien parti, voire en fait là on va mettre la roue de fer, comme c'est un Miraidon en fait qui est fait. C'est pour ça que j'allais dire voir en fait plutôt très mal parti, parce qu'il y a le roue de fer qui arrive, parce que j'avais oublié que le roue de fer était encore là, mais vous inquiétez pas, on va mettre le Coraidon sur le roue de fer. Attention quand même, parce que ce Pokémon est ultra danger, ça va mettre le Float Mesh, mais le truc c'est que là on va y avoir le premier Nitro Charge. Alors là c'est un Speed Tie, encore une fois les Speed Tie sont quand même un peu dangereux, et c'est encore une fois le Coraidon qui va gagner le Speed Tie, donc les deux Float Mesh ont perdu le Speed Tie, donc finalement c'est assez fair. Et derrière, bon bah alors là maintenant il est plus rapide, il a le Dracogriffe, il va révéler qu'il a Dracogriffe, c'est pour ça qu'on met Miraidon, parce que c'est pas obligé, surtout quand t'as Nitro Charge, d'avoir Dracogriffe, parce qu'en général tu as le Nitro Charge dans Slam, où tu vas avoir plutôt combat plus soit tu gardes ton Nitro Charge et tu mets Terra Blast, soit du coup tu peux avoir le Dracogriffe, mais c'est pas si courant que ça. Donc là il a un peu tenté le diable et ça ne va pas passer, et derrière le Nitro Charge ne va pas suffire à tuer, mais derrière le séisme ne tue pas, parce que Coraidon est extrêmement bulky, c'est un Pokémon légendaire je rappelle, malgré le boost du roue de fer en défense spéciale sous le champ électrifié, ça ne suffira pas. On va mettre le Baogian, et là on est en mode, est-ce que mon éclat glace stabé va tuer? Hélas, non, ça ne va pas suffire à tuer, le Nitro Crash va tuer, et on va derrière avoir un forfait. Premier match où vous voyez la puissance de Coraidon, et j'ai un deuxième match où là c'est plutôt Miraidon qui va montrer à quel point il est fort. Donc là, on regarde deux autres joueurs avec des teams un peu différentes. Notez que il n'y a pas il y a des Miraidon dans toutes les teams, mais là il manque un petit Coraidon, la team est un peu plus défensive là, du côté de Colorful Chocolate, et je vous propose de commenter ça tout de suite. Ça valide avec le Miraidon contre le Coraidon, et c'est toujours un peu la question, qu'est-ce que je fais au tour 1? On va mettre le Fort Ivoire qui a la paléosynthèse évidemment en défense, et qui du coup gère plutôt très bien les Coraidon. Float Mesh va pouvoir venir, il a évidemment le gros Moonblast, il y a le Corvallus qui va pouvoir venir, on va faire la ballon. Alors il a Corvallus plus Terrace, donc vraiment Corvallus et Terrace sont assez joués là en Uber. Terrace parce qu'il est très fort contre du coup les Miraidon, Corvallus est à la fois fort contre Float Mesh et assez fort contre certains sets de Coraidon, parce qu'en général le Pokémon il est joué avec du coup Mur de fer pour éviter que le Coraidon adverse se setup trop avec ça dans Slam, et derrière tu tues avec le Big Splash. Donc voilà, hein, là vraiment il a une team un peu plus défensive, c'est pour ça que c'est intéressant. On va switcher et on va mettre le Coraidon sur le Corvallus, et puis petit atterrissage directement. Derrière ça, on va switcher parce qu'il peut y avoir des arnaques. Le Fort Ivoire qui revient sur le boute-feu de Coraidon. Donc voilà, quand je vous disais tout à l'heure que le Pokémon, il pouvait avoir beaucoup de moves, il a un gros... Contrairement à Zacian qui avait quand même des options, mais qui lui manquait toujours un petit truc, Coraidon, il a combat, combat-feu... il a sol aussi, il a vraiment tout ce qu'il veut, et puis il a surtout la Terra Explosion. Donc faut faire vraiment attention, dans le doute, si tu vois ce Pokémon venir sur un de tes trucs, switch. Parce que là, bout de feu, c'est pas souvent joué, mais là c'est joué, et du coup, ça fait extrêmement mal, et Corvallus ne passe pas ça. Hein. Corvallus, il va plus passer les sets avec Nitro Charge. Allez, du coup, anti-brume, on enlève les pièges de roc, le du coup, Fort Ivoire a pu poser les PDR et faire sabotage surtout, il va reposer les pièges de roc, et le Miraidon va pouvoir venir tranquillement, l'anti-brume va être spammé, et là maintenant, la réponse en fait défensive de la team, de l'adversaire à Miraidon, c'est Dinglu.
Et c'est pour ça que d'ailleurs, regardez, vous voyez, le Miraidon, il joue avec demi-tour pour pas se faire bloquer par les types sol. Hein. Petit demi-tour derrière, là, il va anticiper, là, c'était plutôt bien joué. Et on remet le Miraidon, il y a le terrestre qui est présent, évidemment, qui peut très bien gérer. Mais d'abord, on va mettre le Dinglu, on va essayer d'avancer un peu dans la game avant de révéler ce que peut faire notre Pokémon. Donc du coup, le Dinglu, eh ben, il va pouvoir poser les pièges de roc de manière complètement gratuite. On va mettre le Flamigator sur le garde de fer qui va révéler, hélas, que c'est un garde de faire du coup qui va être je me demande s'il est pas specs pour mettre autant de dégâts avec ballon. Je pense qu'il est specs hein, pour mettre autant de dégâts avec ballon. 84% ballombre va tuer. On laisse mourir le Flamigator qui est plus lent que toute la team à part le terrestre, mais le terrestre pouvant spammer le séisme, ça sert plus à grand chose. On le laisse mourir. On a le Floatmèche qui peut venir de manière complètement gratos. Et là, le Floatmèche va commencer à essayer de faire des trucs. Il y a toujours le Corvallus. Mais je rappelle que Floatmèche est joué avec, du coup, quand même Ballombre qui, bah, est neutre hein, sur le Corvallus et surtout peut baisser la défense spéciale et du coup bah tu peux essayer de passer un peu le Corvallus comme ça. Là, le Corvallus ne va pas se faire drop et on va mettre le Dinglu directement. Remettre un petit coup en fait de piège de roc et puis derrière le Baojian arrive et là pour le coup faut le cyclone parce que bon c'est trop dangereux ce truc, tu veux pas, même si tu peux tanker n'importe quelle attaque, donc tu préfères faire cyclone au cas où quoi, c'est vraiment trop dangereux. Floatmèche revient cette fois les pièges de roc sont en place. Est-ce que ça va changer quelque chose? Pouvoir lunaire, petit 18%. Est-ce qu'il va vouloir en fait rester sur le Pokémon? Non. Corvallus versus Corvallus. Ce match pour l'instant c'est vraiment, ils essayent de prendre l'avantage. Pour l'instant il y a eu un seul kill dans la team. Le demi-tour qui va pouvoir mettre le Miraidon. Et vous allez voir que c'est pas forcément positif de perdre le, enfin d'être plus rapide sur le demi-tour parce que du coup le Dinglu peut revenir. Donc en fait comme il a été plus rapide avec son demi-tour, eh ben il est en désavantage là. Quand t'as un duel de demi-tour, c'est mieux d'être plus lent évidemment. Heureusement il y a le demi-tour, mais 14%. On remet le Baojian hein, qui a été banni récemment. Petit cataclysme qui va faire des bons dégâts, enfin 50%. Et derrière Corvallus qui va être envoyé cette fois au casse-pipe. Cryo Pirouette numéro 1, Cryo Pirouette numéro 2. Adieu Corvallus et Miraidon va pouvoir venir. Alors là tu te dis, mais Miraidon qui vient sur Baojian quand même, c'est quand même assez osé, surtout qu'ils ont la même vitesse tous les deux. Et en fait, vous allez voir que le Miraidon, vous vous en doutez, va avoir accès au Terra. Et là, ça va être un Terra glace. Il va faire la hâte. Et là, t'es en mode, oh putain, mon terrestre, vite, doit gérer. Et il va révéler qu'il a provoque. Donc c'est hâte, Terra Blast, glace. Son attaque, du coup, de type électrique, je ne sais plus exactement le nom par cœur. Et derrière, eh ben, il a provoque pour gérer les Pokémon défensifs. Et là, c'est parti. Terra Explosion numéro 1. Le Miraidon, il est setup. Il a fait la hâte. La Terra Explosion numéro 2. Et bon, bah voilà, hein, ça commence à être très très vite dangereux. Le Baojian va venir essayer de faire un gros coup bas avec, du coup, sa puissance du Terra Crystal, ça ne va pas du tout suffire. Le Turbo Volt va tuer. Il y a Garde de Fer, encore une fois, qui va se faire one-shot également par le Turbo Volt, malgré le fait qu'il n'y a plus le terrain électrique, hein, noté. Fort Ivoire, bah bon, il y a le Turbo Volt, enfin, il y a le Terra Explosion Glace. Pour le Miraidon, il y a le Terra Explosion Glace. Pour le Corvallus, il y a le Turbo Volt. Bref, glace électrique, un des plus vieux meilleurs combos du jeu hein, offensif, et ben là ça a tellement bien marché. Donc vous avez eu un match où le Corraidon a fait le taf, un match où le Miraidon a fait le taf, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. J'espère en tout cas que ça vous a plu cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et en attendant le prochain, je vous dis tchuss.